Bonsoir à tout le monde. Pamela, j'ai consulté énormément de personnes aujourd'hui. Écris-moi sur WhatsApp. Si tu ne m'écris pas, je te rembourse, ma chérie. Et si vous voulez vos remboursements, contactez-moi à nouveau, je vous rembourse. J'ai consulté beaucoup de personnes aujourd'hui. Donc, si vous attendez le direct pour me dire que je ne vous ai pas consulté, que puis-je? Si vous voulez faire les aigris, je vous ai déjà dit de déliker ma page et vous partez. C'est qu'il y a quelques femmes aigries là. Je vous guette, je vous ai dans mon collimateur. Vous êtes aigries comme ça, vieilles. Avec des mauvais esprits dans votre cœur là. Ne me cherchez pas. Vous avez compris, non? Ce message doit passer. Ne me cherchez pas. Voilà. Le mauvais cœur, hein? Même si on fait n'importe comment, c'est pour ça que ça fait 2 mois là. Ma lumière et votre ténèbre là, ça ne peut pas coller. Écrivez-moi en inbox si vous avez payé pour la consultation. J'ai consulté énormément de gens aujourd'hui. Donc, s'il y a quelqu'un qui suit ceci, il n'est pas consulté, qui me contacte, pardon. Et si vous venez pour me tenter, vous serez tenté, vous allez mourir. Je prononce le jugement sur vous. Je vous dis d'abord. C'est pour ça que vos vies n'avancent pas. Vous êtes aigris. Chi. Aigris. Avec le cœur noir. Tous les hommes t'ont fui, tes petits-fils t'ont fui, tes fils t'ont fui. Ton père t'a fui. Alors tu es gris. Bonsoir. Il y en a parmi vous, vous avez payé. Mais votre énergie est tellement mauvaise. Parfois, il me connaît, il me veut même vous parler. Ça ne va pas. Yes. Jesus. Bonsoir. Je vous ai dit quoi par rapport à ça? Bonsoir, la reine en bas. Je vous ai dit quoi par rapport à ça et vos maisons? Vous laissez tous les mauvais esprits chez vous. Hein? Vous avez vos actes, vos lieux de business là. Tu as ouvert ton magasin depuis, tu n'as jamais brûlé un encens là-bas. Tu crois que c'est tout le monde qui t'aime? Tu es coiffeuse. Tu as 10 femmes qui passent chez toi chaque jour. Les femmes qui ont le mauvais corps comme quoi là. Les femmes qui sont méchantes comme quoi là. S'il faut qu'elles viennent dans ton business pour parler, seulement elles gâtent, elles vont parler pour gâter. Jesus. Mais les gens sont méchants, hein. Maman. Parfois, quand tu es comme ça, tu as ton bon cœur seulement. Tu as ton bon cœur avec les gens là. Non. Ils te voient, tu avances comme ça, ça les énerve. Ça les énerve. Mais ce ne sont pas eux qui t'ont appelé. Ce ne sont pas eux qui t'ont appelé. Donc, ils ne peuvent rien te faire. Si mon pouvoir venait de vous, vous savez que ce n'est pas vous qui m'avez donné mon pouvoir. Je suis là pour vous réveiller. Vous allez arrêter d'être simple. Je le dis encore, si quelqu'un me regarde, que ce soit en différé, j'ai consulté beaucoup de personnes aujourd'hui. Quand j'avais fini ça, je vais encore consulter. Si vous avez déjà payé, si vous n'avez pas encore payé, ne me payez pas. Ne payez pas. Je vais encore faire même une semaine, ne payez pas.
Je dois d'abord éponger tout cela. Et maintenant, vous devez même me supplier avant que vous consultiez. Donc ne me donnez pas votre argent, je veux ne m'envoyez plus l'argent. Tes voisines se sont fâchées. L'encens là a provoqué quelque chose dans tes voisines là. Elles connaissent. Bonsoir la reine Rose, bienvenue. Je vais parler aux femmes aujourd'hui. Je dois corriger quelque chose dans votre façon de penser de vous. Vous avez compris, non? À part les femmes qui sont méchantes et aigries, qui continuent de rester sur ma page, je ne sais pas ce que vous faites ici. Je vous ai insulté, je vous ai chassé, je vous ai parlé, vous êtes où là? Vous avez essayé avec vos flèches, ça ne m'a pas touché. Vous êtes où là? Je suis intouchable. Ça vous énerve. Méchante. Aïe. Si vous ne me connaissez pas, vous essayez. Combien de fois avez des gens que vous connaissez? Non. Faites attention, hein. C'est pas les gens n'aiment pas les gens. Et vous dites arrêtez d'être simple. Sandra, je le dis encore, si quelqu'un vient ici m'écrit que gnagnagna, faites-moi le message. Faites-moi le message sur WhatsApp. J'ai consulté beaucoup de personnes aujourd'hui. Ceux qui ont déjà payé, ne me payez, n'envoyez plus votre argent. N'envoyez plus l'argent. Si quelqu'un sait qu'il a payé, il m'envoie seulement sa preuve de paiement. Voilà, voilà ça que c'est en train de. Je vois les messages qui sont en train d'arriver. Je vais vous éponger, vous tous là aujourd'hui. Aujourd'hui et demain. Comme ça, il va avoir ma paix. Vous voyez, parce que vous m'avez donné 100, vous m'avez donné combien? 25 000, 30 000. Vous voyez, comment ça me parle n'importe comment. Vous êtes d'abord pauvre. On parle, vous ne comprenez pas. Pauvre, dans la tête d'abord. Les parvenus comme ça. Vous vous limitez à vos 1500 euros chaque mois. Vous n'êtes pas n'importe quoi, Jean. Cody. Je dois leur parler. Parce que comme il faut que j'avance, là, ça les énerve. S'il y avait quelque chose qu'elle pouvait faire. Maman, la méchanceté de ça. Même Jésus savait quand il est venu. Que ton fils aime ça. Hein. Parce que son esprit est pur, il connaît. Vos voisins n'avaient pas aimé ça. On les connaît déjà. Vos bailleresses là vont sortir. Chantal, si vous ne m'avez pas, si vous avez fait vos paiements depuis, je peux vous voir. Si vous n'avez pas fait, non. Ne me payez plus. Jusqu'à ce qu'ils disent commencer encore à payer. N'envoyez plus. J'ai arrêté les agents de consultation jusqu'à mon PayPal ou partout. Ceux qui ont le mauvais cœur là, ils vont profiter de comme tu as envoyé 25 000 à mon compte là. Il faut qu'ils renvoient ton argent parce que quand ça reste dans mon notion là, c'est pas bon. Arrêtez d'être simple, vous allez voir, ils vont se démasquer eux-mêmes. Soit vous allez les voir dans le rêve, soit en plein jour. La personne va t'envoyer un message sur ce que tu as dit, mais je t'ai fait quoi? La personne se dénonce. Il va se dénoncer tout seul. Tout seul. Les pauvres là, comme ça là. Tu as fini de te laver avec le sol. Non, je ne me suis pas lavé. C'est comme ça, vous gardez les mauvais esprits là sur vous. Vous les gardez avec. C'est comme ça, on dit tu t'es lavé. Non, je ne me suis pas encore lavé avec le sel. Tac, tac, sauf chez toi. Tu fais, je viens parler même n'importe comment aux gens. Ce sont tes mauvais esprits là. Ça dérange quelqu'un qui me dit je le bloque. Ça, c'est ma page. Je dis que ça ne te plaît pas, tu pars. Tu as compris? Ça ne plaît pas à quelqu'un qui... Écoutez, ma page fonctionnait, j'avais 2 vues. Ça fonctionnait, j'avais 100 abonnés. 500 abonnés.
Donc, s'il me lève et qu'il doit adresser quelqu'un, j'adresse. Voilà. Avant de dire ce que j'ai dit. Quand les bouches qui se lèvent pour parler contre moi, là. Isaïe 54. Je vous condamne. Je vous préviens. Demande dans le message que vos doigts ne fassent pas l'erreur. Si vous avez regretté d'avoir cliqué sur ma vidéo un jour. Vous croyez qu'elle travaille seule, non? Vous croyez ça, non? Jésus même s'arrêtait, il parlait. Les pharisiens, là, tu crois que Jésus les ignorait? Ils étaient bandes de vipères. Allez lire la Bible, s'il vous plaît. Vous ne parlez pas à vos adversaires, c'est comme ça qu'ils vous oppriment. J'ai peur de mon oncle, j'ai peur de la femme de mon père, j'ai peur de gna. On a donné ta bouche pour quoi? Seigneur, Seigneur, sauve-moi, revendique-moi. Quoi? Hey, Jesus. Prenez votre Bible, vous lisez, s'il vous plaît. Attendez. Dès quand vous croyez que la Bible, c'est là, c'est seulement un sens. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, je suis dans le trou. Seigneur, vous ne connaissez pas Dieu. Attendez. Vous allez parler à vos adversaires. Eux, ils vont dire que la fille est devenue. Mais elle est devenue. Hey, tu te prends pour qui? Hein? Parce que votre bouche est fermée. C'est pour ça qu'on vous check n'importe comment. Voilà Isaïe 54. Verset 15. Si l'on forme des complots contre moi, Jocelyne, je sais que ça ne vient pas de Dieu. Ok. Et je déclare maintenant que quiconque se ligue contre moi, tu tombes sous mon pouvoir. Comprends bien. Tu tombes sous mon pouvoir. Vous ne connaissez pas qui vous êtes. Je vous ai dit que je vis la Bible. Je suis la parole. Je vis la parole. Et ça se réalise à votre écoute. Donc, en vous asseyant encore, asseyez-vous encore, vous mettez mon nom, ou même dans votre esprit là, mon image. Vous allez voir. Verset 17. Toute langue qui s'élève contre moi, je la condamne. Écoutez. Je ne veux pas sortir mon rire machiavélique là. Hey, ils partent même chez leur sorcier, on ne te trouve pas. On ne l'est dit que, hein? Le sorcier dit que non, tout le monde sauf la femme-ci. Que tout le monde sauf elle. À nos filles. Aigris. Seul. Dans ta chambre comme ça là. Tu es dans la maison tous les jours. Comme ça là. Jesus. Tu te laves avec le sel? Non. Ah, mais non. Ne t'inquiète pas. Ils vont continuer à t'appuyer. Ils vont t'opprimer. Je me suis pointé dans ce direct ce soir parce qu'il fallait que je parle à certaines femmes. Votre puissance est diminuée. Vous m'entendez, non? Votre puissance est diminuée. À cause des gens. Ils connaissent votre pouvoir. Ils ont peur de vous. Maintenant, il faut qu'ils viennent jouer sur votre mental. Ils vous ont déjà tellement dit leur parole que ça c'est devenu votre parole dans votre bouche. Si vous avez remarqué, hein, la plupart du temps, c'est tout la parole que je dis. Je prends tous les passages bibliques. Toujours, c'est toujours ma Bible qui sort de ma bouche.
Je suis seule. Ça fait 5 ans, je n'ai pas eu de gars. On m'a dit que si je n'ai pas eu de gars, ça veut dire que je suis anormale. Qui t'a dit que tu es anormale? Je travaille à temps plein, j'ai seulement 1500 euros. Vraiment, ma vie, je ne peux pas, ma vie ne peut pas avancer. Qui t'a dit que ta vie dépend de ton salaire? Qui t'a dit ça? Je vous demande seulement, prenez l'encens de 2 euros. Vous avez brûlé ça chez vous. Prenez le sel de 50 centimes. Lavez-vous avec. Tu vas donner la priorité à ton patron. Il m'a appelé. Il faut que j'y aille. Il te dit, sois là, 5 heures. 5 heures, tu es là, hop. Tu pourras te laver, lever 30 minutes pour te laver avant de partir. Lave-toi avec le sel. Bien. Depuis quelques jours, je vous parle de ça. Prends ça le matin, mets dans ta bouche, marche. Vous allez souvent me voir dans vos rêves à 4 heures, je vais vous gifler, vous allez vous lever, vous allez faire ce qu'il dit. Parce que le truc, c'est que vous opprimez Dieu. Seigneur, aide-moi, Dieu m'envoie. Montre-leur ce qui va les aider. Je me mets devant vous et vous parle. Vous me regardez comme la télé. Sera non, Mona, ton esprit n'est jamais hors de toi. Qui t'avait des bêtises là? Les faux trucs, vos faux enseignements, vous partez suivre. Ton esprit n'est pas en toi. Qu'est-ce qu'il y a en train d'écrire, de taper sur le téléphone ici? Tu as maintenant que te foutre de mon bâton de commandement. Tes idées là vont s'arranger. Vous dérangez Dieu. Et pourquoi l'enfant s'est têtu comme ça? Pourquoi la fille s'est têtue comme ça? Tu as brûlé l'encens chez toi? Non, je n'aime pas, ça me fait tousser. Mets dans la ferme la porte, sors, tu pars. Ça va faire le détecteur de fumée, va se déclencher. Qu'est-ce que vous n'avez pas comme raison? Le soir, où tu t'agenouilles, Seigneur, Vierge Marie, Ouais. Vous pensez que je suis comédienne, non? Vous pensez qu'il vient ici là faire le spectacle? N'est-ce pas? Je suis là pour réaliser Joël chapitre 2. La Bible a dit que son esprit va se répandre sur toute chair. Quand son esprit se répand et vous ne facilitez pas l'expression de l'esprit, ce n'est pas bon. Vos mères ne vous ont rien appris. Mon père et ma mère étaient simples. Ils étaient témoins. Ou ils sont témoins au tribunal. Ou ils sont témoins de mariage. Oh. Tu es mal là comme ça. Ça fait 20 ans que je suis ici. J'ai commencé mon chantier. Je n'ai pas terminé. Ça fait 15 ans que je ne suis pas partie au pays. Chai. Je vous ai parlé de ça. Tous ceux qui ont acheté mes produits, depuis au moins 3 semaines, je mets ça dans chaque paquet qui part en Europe. Europe, États-Unis, partout. Avec le Cori. Il n'y a que ceux qui ont demandé
qui vont tomber sur ce que je dis. Et leur esprit va dire, c'est ça que j'attendais. Voici la femme que je cherchais. Et vous allez prendre ce que je dis comme parole d'évangile, vous allez pas, comme la prescription du médecin. Le médecin peut sauver votre corps. Je suis là pour sauver votre âme. Oui, le sel de mer, peu importe, parfumerie et tout. Faites sel de mer, c'est sel de mer. Combien d'entre vous avez des pierres chez vous? Combien d'entre vous avez ça? Voilà ça. J'ai monté, j'ai même mis sur YouTube, j'ai mis partout. Écoutez, Jésus a dit, si je ne leur avais pas prêché, je serais responsable de leur péché. Maintenant que je leur ai dit, ils sont responsables de leur péché. Vous m'entendez? Dans un an, vous n'allez plus reconnaître votre vie. Certains auront déjà fini les maisons que ça fait 15 ans que vous êtes en train de construire. Dans un an, certains parmi vous seraient déjà 6 mois de grossesse, 7 mois. À 45 ans, 46 ans, hein. Je vous dis, quand la parole sort de ma bouche, 1 Samuel chapitre 3, verset 19 et 20 jusqu'à 21. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Jocelyne grandit et l'Éternel est avec elle. Et il ne laisse tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Jocelyne était établi prophète de l'Éternel. Je ne parle pas par ma propre force. Et ce que je dis va avec la manifestation. Certains parmi vous, vos hommes là, vos maris là qui étaient en train de... Ils faisaient un peu comme ça là. Ils vont retomber amoureux de vous comme ça là. Jusqu'au temps où tu vas dire que, hey, dans la vie peut être sucrée comme ça. Je suis là pour partager les cadeaux ce soir. Il y a une femme de 43 ans. Tu vas accoucher. Tu cherches l'enfant depuis. Tu vas te laver avec le sel de mer pendant 7 jours. Tu feras 10 je vous salue Marie. Chaque jour. Vous comprenez? Chaque jour. Vous vous lavez avec du sel, comme j'ai dit. Si vous avez les autres couleurs de sel, vous mettez dedans. En vous lavant, vous déposez la main sur votre ventre. Vous commandez à vos trompes de s'ouvrir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous répétez, je dis bien mes mots. Marie, qui est ma mère,
la reine des reines, elle n'a pas eu besoin d'un homme pour enfanter. Combien de fois, moi, qui ai déjà un homme, bravo pour ton témoignage. Mariam Belinga, tu viens me donner le code RIA sur le direct. Jesus. C'est le vrai RIA. Ouais, Seigneur. Nathan Monique, pour ton dossier à l'ambassade. Ça, 3 jours. Tu dois marcher ça 3 jours. Le matin. Tu déclares, tu appelles le nom du pays. Tu déclares que ce pays t'accueille. Tu parles aux ancêtres de la terre où tu veux partir. Pandesta. Tu dois faire une libation, tu dois verser du vin sur la terre là où tu es. Certains parmi vous, vous n'avez pas embrassé totalement. Vous n'avez pas demandé. Vous ne vous êtes pas mis en paix. Voilà. Chaque terre a des dieux et des ancêtres. Arrêtez de faire comme si, ah moi je suis arrivé seulement en France. Non, il y a des ancêtres sur cette terre. Prends le vin, va parler à ces ancêtres-là. Remercie de t'avoir accueilli déjà jusqu'à présent. Demande-les de t'accepter. Et tu verses ça. Vous n'engagez pas les ancêtres, vous les ignorez. Bonsoir la reine Thérèse. Moi, c'est la reine Jocelyne. Ok? Celui qui se retrouve dans son quartier où il est né là, tu dois aller au village. Au village, fais des... sur la tombe de tes ancêtres. Ça veut dire que tu vas retourner aux racines, tu dois retourner à la racine. Il y a deux esprits qui vivent en toi, un Dorian. Vous la même. Willy Sol, tu as une étoile très forte. C'est pour ça que tu rêves que tu avais les présidents. Maintenant, tu as beaucoup de procrastination. Beaucoup. Tu vas te débloquer. Pamela, tu aimes trop fuir les dettes des gens. Quand tu dois les gens, quand l'argent vient, tu ne payes pas. Tous ceux qui sont endettés là. Vous laissez l'esprit là venir vous posséder. Maria, c'est toi qui viens de donner le code de RIA ici là. Tu blagues seulement. Doris Diane, s'il y a deux vies d'esprit qui vivent en toi, c'est comment? Vous voulez la colocation depuis longtemps, non? Tu veux les retirer, pourquoi?
Ils sont là depuis longtemps. Tu veux qu'ils partent où? Il y a ceux qui veulent le papier. Vous allez faire le lavage journalier 3 fois par semaine. 3 fois, 3 fois, 3 jours par mois, pardon. Vous jeûnez. Ceux qui ne peuvent pas avoir accès aux produits Onalia, un lavage sel, sucre, clou de girofle. Et vous rajoutez du clou de girofle dans votre parfum. Beaucoup d'entre vous, vous avez besoin d'avoir vos outils à côté de vous. J'ai fait des vidéos que j'ai mises sur YouTube. Je vous ai dit ce que vous devez avoir chez vous. Il y a des outils essentiels dont vous avez besoin. L'arbre de paix. Aimée Fanny, tu n'as pas la paix dans ton foyer parce qu'il y a une mauvaise énergie chez toi. Mauvaise énergie. Allumez la bougie à la maison au moins une fois par jour. Je vous ai parlé des encens. Le tout, c'est que vous venez avec les mêmes problèmes. Je vous dis ce que vous faites. Vous ne le faites pas. Vous venez encore avec les mêmes problèmes. Je dis, mais c'est quoi votre problème alors? Maria m'a écrit moi encore. Écris-moi sur WhatsApp. Si tu ne m'écris pas, s'il te plaît, tu me fais un message, tu me dis, je te rembourse ton argent. Sauf vous là, vous n'aimez pas suivre les instructions. Je n'aime pas les gens têtus. Ça veut dire que quelqu'un qui veut te parler, qui te dit va faire ça, je ne peux pas faire. Beaucoup d'entre vous. Ok, il y a quelques femmes ici, là, vous ne parlez pas avec votre mari. C'est vraiment la tension depuis. Attends, je vais voir ce qu'ils ont à dire pour vous. Vous parlez très mal de votre mari. Ou de votre gars. Aux gens. Première chose. Parler très mal de lui. Ça ouvre le portail pour que les esprits entrent dans votre cœur. Quand vous rentrez à la maison, ils sentent ça. C'est ça qui fait que vous avez problème à la maison. Quand vous allez vous laver ce soir, lavez-vous, mettez le sel dans l'eau. C'est quoi votre problème? Mettez le sel dans l'eau. Vous l'avez accusé longtemps, c'est lui, c'est lui. Beaucoup d'entre vous, quand vous allez vous débarrasser des esprits là, vos maris vont devenir doux. Tu vas voir si c'était le même homme là qui te. Que hier, c'est là quelque temps, vous voulez divorcer. Demandez au Saint-Esprit, à la Vierge Marie, quand vous allez vous laver, s'il y a des forces qui sont en moi, qui font que ma bouche, mon cœur, ait des mauvaises pensées par rapport au père de mes enfants ou à l'homme avec qui je vis, nettoyez-moi. Si c'est des malédictions générationnelles que j'ai prises de mes parents, malgré tous les lavages que je fais, Vierge Marie, débarrasse-moi, aide-moi. Donne-moi les paroles douces. Que je n'ai pas un visage froissé. Je suis avec vous comme ça, avec mon gars, je ne suis pas comme ça. Hein? Il y en a parmi vous, dès qu'il arrive, dès qu'il rentre à la maison. Ce n'est pas toi qui fais. C'est plus fort que toi. Il n'aime pas. Dès qu'il rentre à la maison, il sent ça. Il veut seulement partir.
C'est pour ça qu'il t'a pas touché depuis 2 mois. Betty, à propos des esprits des eaux, je suis sûr que tu crois que les esprits des eaux sont mauvais. Il y a aussi beaucoup d'esprits qui essaient de communiquer avec vous. Mais votre mauvaise conception de la chose, ça fait que vous pensez que non, laisse-moi, laisse-moi. Comme il y a eu une époque, vous croyez que votre grand-père vient pour vous tuer. Quand quelqu'un meurt, son corps disparaît. Son esprit est là. C'est comme ça que dans vos rêves, vous les voyez. Ta grand-mère vient, elle te donne. Vous êtes comme avant au village quand tu partais la voir. Tu comprends pas. Mais tu es morte, non? Arrête de lui dire qu'elle est morte. Arrête. Ne fais pas le lavage avec le sel pendant les règles. Tu veux te débarrasser de l'homme de nuit. Tu es sûr que ce n'est pas toi qui l'as accepté l'homme-là dans une autre vie. Je vous ai souvent dit que vous n'êtes pas seulement une dimension, pour vous rappeler. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas vous dire, c'est là, trop trop pour vous. Vous n'allez pas comprendre. Tu n'es pas seulement une dimension. Quand tu dors là, tu ne connais pas là où tu pars. Je suis mandaté, on m'a mandaté pour vous parler, pour vous rappeler les choses que vous oubliez. Ma foi, Odette, écris-moi pour l'Angleterre, s'il te plaît. Je cherche aussi un représentant. Et en Angleterre, il y a Dubaï. Dubaï, j'ai déjà trouvé, je pense. Donc, si vous voulez me représenter dans un pays, je vous en prie, contactez-moi. Je suis mamie business, je fais le business. Même Paris, je cherche encore les représentants. Même Toulouse, Marseille. Je cherche. Beaucoup de personnes m'écoutent, ils sont dans les vides différents là. Si ils peuvent envoyer les produits, on peut, et puis on vous distribue, ça va même faire plaisir. Vous voulez que maman ait touché le produit pour vous donner. Vous savez que généralement la France, Angleterre, il y a le nord, il y a le sud. Donc si vous êtes dans le nord de la France ou le sud de la France, contactez-moi. Et je veux aussi voir le feeling. Il y a des gens qui... Par exemple, celle de Paris, il y a beaucoup de personnes que vous avez essayé Paris, vous m'avez dit qu'on ne décroche pas. Donc ça, pour moi, c'est un souci. Donc s'il y a quelqu'un à Toulouse ou encore Marseille, vous me faites signe. En Suisse, je n'ai pas encore de représentant. Et je veux des gens sérieux. Yaoundé, je suis à Yaoundé lundi soir et mardi. Vous payez quand j'arrive, je vous dis là où je serai. Et à partir de janvier, il y aura un nouveau créneau que je vais mettre. Parce que j'aimerais toucher plus de personnes quand je vais dans les villes. Djamena, c'est janvier. Côte d'Ivoire et Gabon, ce sera fin janvier. Belgique, j'ai besoin de quelqu'un. J'ai un transporteur qui peut amener la marchandise à Belgique, à Bruxelles. Donc, si vous êtes à Bruxelles, vous voulez me représenter, dites-moi s'il vous plaît. Aussitôt que mardi, on peut envoyer la marchandise, vous recevez. Contactez-moi, vous avez le numéro. Écrivez-moi juste si vous êtes sérieux. Côte d'Ivoire, il y a une dame qui m'a appelé l'autre jour. J'ai oublié d'enregistrer ton numéro de la Côte d'Ivoire. Je pense. Rappelle-moi, je t'en prie.
Gimfak Dongo, Yaoundé, oui. Si tu es sérieux, tu me contactes. Quand je vais venir lundi, je vais te voir. Le sud du Canada, oui. Je vous en prie, contactez-moi juste sur inbox. Je crois que je vais faire un groupe WhatsApp avec les représentants. Comme ça, on verra comment ça marche. Fatou pour Abidjan, écris-moi s'il te plaît. Mon numéro de WhatsApp, c'est le 00237 680 71 07 01. Angèle Londo, bon, si tu veux créer ta marque, tu me fais aussi signe, c'est possible. On te fait des vêtements, on met tes étiquettes dessus direct. Ceux qui veulent ouvrir des magasins en Europe ou vendre des produits africains, j'ai les couturiers, j'ai tout ce dont vous pouvez avoir besoin. T-shirts personnalisés, bijoux africains. On peut vous aider à ravitailler votre magasin. Écoutez, hein. Vous devez avoir l'argent. Quand je rencontre un fournisseur, parce que ce n'est pas moi qui fournis, je préfère donner la responsabilité au fournisseur. Ok. Si tu me fournis un produit, que normalement tu vends le produit, supposons à 500, je te dis, je prends 5 000 articles. Même si tu les fais toujours à 500. Si tu prends 5 000 articles et que ton chiffre d'affaires mensuel, généralement, c'était 1 million. Je suis sûr qu'en un mois avec moi, tu vas passer à 5 millions. Tous ceux que je touche et avec qui je travaille, il y en a qui me suivent ici, là. Vous connaissez vous-même. Quand j'entre chez toi, le salut entre dans ta maison. Je ne prêche pas seulement comme ça. Maintenant, si vous voulez collaborer avec moi, vous n'avez pas. Vous avez déjà, vous êtes toujours avec l'esprit pauvre, là, ça ne va pas aller chez moi. Never. On va parler un peu coquet, il faut qu'on agrandisse. Tu commences à dire, hey, je veux pas ça. Même celle qui parle pour le Gabon, là. Fais-moi signe. Le numéro, c'est le WhatsApp, c'est le 680 71 07 01. 237 680 71 07 01. Que la paix soit avec vous. RDC, j'ai beaucoup de requêtes par là. Je suis jamais allé au Congo. Jamais. Ça me dit bien parce que j'ai beaucoup de Congolais qui me contactent. J'ai aussi le Mali. Beaucoup de personnes me suivent au Mali. Le bâton de commandement, oui. Une croix, oui. J'ai aussi ça. J'ai la croix là sur ma bague. Le symbole de la fertilité. C'est ça. Oui, à l'Est, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent à l'Est. S'il te plaît, pour l'Est, fais-moi signe. Il se pourrait que physiquement, je te rencontre à l'Est parce que je compte venir par là aussi. Donc, Bafoussam, je suis à Bafoussam mercredi. Merci Cody, j'ai épinglé ton commentaire. Arrêtez de croire que vous êtes faible. Beaucoup d'entre vous êtes attirés par la spiritualité depuis. Tu restes dans ça, tu collectionnes les cailloux, tu as les cailloux chez toi. Tu aimes les choses avec les cories, tu aimes les chiennes comme ça. Il n'y a que les connaisseurs qui peuvent connaître ça. Je n'ai pas de représentant en Allemagne.
Mariama Badinga, écris-moi, je vais te parler après ce direct. Et si c'est le cas pour vous, vous êtes attiré par ces choses. Il y a une dame aujourd'hui qui a appelé, elle a pris 6 bâtons de commandement. Un pour son mari, un pour elle. Ils ont 4 enfants. Elle a pris pour les 4 enfants. Le dernier enfant a 5 ans. Elle a dit qu'elle va prendre pour l'enfant là. Blaise Chami, tu m'appelles maintenant là. Je suis en direct, tu m'appelles. Navoiti. Bon, je vois vos messages pour les gens qui veulent me représenter. Ok. Il est temps pour que votre spiritualité se réveille. Vous comprenez? Ça doit se réveiller. Il y en a parmi vous, vous êtes des maîtres. Tout ce que j'ai dit ici, ça résonne dans ton esprit. Ta tête ne comprend pas. Mais ton esprit fait, ça fait que oui, tu dis que je sais pas, mais c'est qu'elle dit là. Il y a plein d'autres choses que j'aimerais vous dire maintenant. Mais le temps n'est pas encore là. Vous êtes encore trop submergé par vos problèmes. Je veux le mari, je veux l'enfant. Je veux le boulot. Petite vision. Petite vision. Vous devez sortir de là. Vous me comprenez, non? Jésus a dit que si un grain ne meurt, donc tu arrives à un niveau, tu meurs. On dit, tu ne veux pas aussi avoir l'argent. Tu veux pas te marier aussi. Tu veux pas aller en bain. Tu ne veux pas ceci. Tu meurs. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Tu reviens à la vie. Une graine que tu mets dans la terre ne ressort pas de la terre pareil. L'eau de mer, c'est l'eau que tu as mis le sel dedans. Arrêtez de mystifier les choses. C'est pour ça que je vous dis beaucoup d'utiliser le sel. Quand vous arrivez sur la terre, vous avez fait le contrat d'oublier tout. Mais la course, le challenge se passe. On va voir à quelle vitesse tu vas te rappeler. À quelle vitesse ça va partir d'ici à là.
Et quand tu commences ta course, on te dit, tu dois t'aligner à l'école, tu dois faire ce qu'on te dit, tu dois gna gna gna, ça te fait, ça t'attache, ça t'attache. Un moment, tu dis assez. Ça ne dépend pas du pays où tu te trouves. Il y a des personnes connectées et alignées. Aux États-Unis, en Angleterre, partout en Afrique, à Douala, à Dubaï. Quand vous allez vous coucher, le contrat est le suivant. Comme je quitte le corps-ci, on vit dans plusieurs dimensions. OK? Je fais beaucoup un peu d'enseignement là. Actuellement, je vous parle à partir d'ici. Il y en a parmi vous, on se connaît ici. Pour plus d'informations, venez dans ma formation spirituelle. OK? On se parle ici, ici on ne se connaît pas. Ici, on se connaît. C'est pour ça que quand on se rencontre ici, comme ça, là, quelque chose qui se passe. Ah, je sais pas pourquoi. C'est pour ça que vous sentez, quand je parle là, vous sentez vos mains, non? Vous sentez? Vous sentez, non? Il y a un éveil massif qui se passe. Vous devez vous réveiller. Vous devez vous réveiller. Vous êtes censé commander l'argent, les richesses de ce monde. Écoutez-moi bien. Tout ce que tu dis, ça vient. Quand je parle comme ça, c'est même pas moi qui parle. Tout ce que tu dis, ça vient. On te dit plus non. Je vais vous dire de beaucoup recharger vos épaules ici. Huile d'olive, sel, massé. Massé. Commencez ici, là, derrière. C'est à n'importe quoi, entrez dans votre tête, là, par ici, ça va sortir. Massé ici, comme ça, vous descendez. Vous massez vos bras, ça va restaurer votre puissance. C'est pas pour rien que dans les films, vous voyez, c'est de la puissance autour des bras. On fait toujours ça. Vous réfléchissez encore trop bas. L'argent du loyer, ça doit être une petite chose pour toi. Même le boulot. Je vous dis, imaginez toujours un roi. Tu imagines un peu, tu rencontres le roi Pobia. Il te dit, oh Jocelyne, je dois aller travailler. Tu imagines mon boss là, il me dérange. Tu dis, mais attends, tu es le président de la République, non? Pourquoi tu vas travailler? Vous devez commencer à vivre votre royauté, vivez votre spiritualité. Parce que vous bavardez seulement. On les dit, achète les outils. Qui n'a pas d'outils est nu. Une femme a écrit cet après-midi, elle me dit, elle a reçu un bâton de commandement, ça fait peut-être 5 jours. Elle a rêvé cette nuit, elle me dit, elle a vu un monsieur qui est venu, il a fait comme s'il voulait enlever sa fille, kidnapper sa fille. Elle a pris son bâton. Elle a fouetté le monsieur dans son rêve. Jusqu'à sa tête est tombée. La tête du monsieur est quittée, c'est tombé au sol. Après, elle a porté son enfant, elle est partie avec. Elle a fessé.
Quels sont les vêtements spirituels dont vous avez besoin? Tu mets ça autour de toi. Tu mets sur. Vous avez vu, mes murs sont toujours parsemés de choses. Ça t'active. Ça t'active. Ça t'active. Le travail est perdu. Tu n'arrives pas à trouver le travail. Le travail est perdu. Vous avez tous les langages bizarres là. Parfois, j'ai envie de vous enlever même sur ma page. C'est moi parce qu'on m'a envoyé vers vous. J'ai pas le choix. Les marabouts qui viennent tout mettre leur publicité dans mes pages là, je vous ai dit, lavez-vous avec le sel. Fidèle Selema, vous n'avez pas encore fini d'appeler les gens. Vous allez les cabosser. Parce que vous avez les armes. Écoutez. Vous n'avez pas Wanda avant vous fuyez seulement les gens dans vos rêves. Chaque jour tu fuis seulement. Tu fuis. Tu fuis. Tu fuis. Tu es nu. Tu n'as pas les armes. Quand tu commences à avoir les armes. Quelqu'un t'approche. Tu sors ça là. Que vient cela. Tu le tournes. Tu le fesses. Aïe, 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 aïe. Il lit le. Le lendemain, quand il te voit, il fuit. Il te voit dans la réalité. Il fuit. Tu sais pas qu'il y a les marabouts des marabouts. Hein? Que le marabout lui-même passe le marabout, dit que pardon, donne-moi le remède. Beaucoup d'entre vous, vous n'arrivez pas à réaliser vos rêves. On vous donne le diamant dans le rêve. Tu gagnes la loterie dans le rêve. Un milliardaire te voit dans le rêve. Il te reçoit chez lui. Tu arrives chez lui, il te dit que tu donnes les clés de ma maison. On te ramène dans la Bentley. On dit que c'est pour toi. Tu te réveilles, tu ne vois pas. Vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas. Et obéis. On vous dit les choses et tout là, comme ça, élan, élan. Élan, élan. Le dévoreur est passé, mamie. Il a volé. Aussitôt que le petit Jésus est né, Hérode est venu le tuer. Quand il était encore petit, il est venu le tuer. Écoutez, protégez votre Jésus. Hérode vous guette. Vous croyez que le travail spirituel, là, c'est comme ça, là, hein? C'est le travail. Afa. Tu vas travailler, on se dit que ta papa va venir. Comme vous êtes paresseux, alors on fait comment? On dit brûlez vos encens. J'ai pris l'encens pour faire quoi? Ça sent mal. Moi, mon mari n'aime pas ça. Hein? Moi, je dois te convaincre. Je dois te convaincre de te sauver. Tu as menti. You did lie. Attends, pas, ça te fouette encore bien. Pas, ça va te fouetter bien là. Jésus versait de l'argent du ciel. C'est déjà là, l'esprit est en train de déverser partout.
ça se déverse. Autant que ça se déverse, il y a le voleur qui vient pour voler. Aussitôt que ça tombe chez toi, bien. Écoutez, dès que le rêve arrive dans toi là comme ça, Hérode vient prendre ça là. Directement. Amen, la reine Niaga. Mais oui, non, vous rêvez que ton fils vous a vu. Parfois, tu rêves que tu avais Beyoncé. Tu rêves que... Écoutez. Vous aimez conjuguer le verbe simple. Je simplon, tu simplon, il simplon, nous simplonne. Je dis d'arrêter de conjuguer la simplicité. Venez acheter vos produits, ça me rend encore plus riche. Je suis là riche. Donc, ça va augmenter ma richesse. Ma richesse qui ne vient pas de vous, bien sûr. Et c'est qu'il y a un qui me déteste, c'est là que si ça ne dépendait que de vous. Mais comme ça ne vient pas de vous, alors il fait comment? Après 3 jours de traitement, tu as reçu un appel qui a fait plus de 17 ans en France. Et il a dit qu'il te donnait 50 000. Tu sais quoi, ma chérie, j'ajoute encore 2 zéros sur ça. Je déclare que c'est le début de tes finances. Comme on était vu, on a prié là. C'est le début de l'entrée de tes finances au nom de Jésus. Bansoa, tu me cherches. Ton nom, c'est quoi? Donne-moi ton nom, Bansoa. Je veux savoir qui tu es. Voilà, tu rêves que tu avais Michel Obama. Le diable vient pour voler quand c'est encore en train de commencer. Tu as une idée comme ça là, tu te lèves le matin, tu rêves que tu as une idée comme ça là, tu as une entreprise, ça fait beaucoup. La semaine là, 2 personnes t'appellent, on te dit que j'ai rêvé de toi. Maman, tu avais l'argent. You got money. Quand on te dit comme ça, ça résonne dans ton cœur. Le diable. Bonsoir Jean, tu ne veux pas dire qui tu es, il n'y a pas de problème. Ma part n'est pas loin. Hein. Je ne sais pas quand tu m'as connu. Ça ne va pas loin. Je te supprime et te bloque une fois. Comme je demande ton nom, tu veux que tu te comme ça là. Tous mes gens qui me connaissent, vous me connaissez déjà. Ça fait un tout seulement. Un tout, un tout, un tout. Pas un coup, un tout. Si je devais consulter quelqu'un ou je vais t'envoyer les produits, je t'en prie, écris-moi. Au pire des cas, je te rembourse ton argent. Comme ça, c'est bon. Et en passant, tu délikes aussi ma page. Parce qu'il y a des gens vraiment, il y a les followers dont je peux me passer. Arrêtez de douter de vous. Arrêtez. Spirituellement, beaucoup d'entre vous, vous êtes tellement puissants. Tellement. Vous-même, quand vous gâtez avec votre propre bouche. Avec votre propre
propre bouche. Ah, ça ne va pas. Ma vie n'avance pas. Oh. Ta puissance commence dans ta bouche. Dans ta bouche. Ayez la foi. Il y a des personnes, vous appelez toute la journée. Le téléphone à secrétaire. Quand elle prend le téléphone comme ça là, dès qu'elle touche, c'est vous qui êtes en train d'appeler. Et dès que vous appelez, je vois les messages, je décroche, on parle. Comme là, je viens de parler avec une dame. C'était fluide. Et il y en a parmi vous quand vous payez la consultation, hein. Vous devez vraiment prier. Jeûnez même 2 jours, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des entités qui ne veulent pas que vous sortiez de là où vous êtes. Je vous dis. Le lavage au sel, là, ça va nettoyer votre énergie. Ça va enlever. J'accepte Tap Tap Saint-Louis. Et quand ça nettoie votre énergie comme ça, partout on prononce votre nom, vous avez la faveur. Il y en a parmi vous, hein. Le jour où j'appelle, la personne ne croit même pas. Elle dit, ah, enfin tu m'appelles. Il dit que tu n'as pas confiance en toi. Trust in yourself. Je te dis que tu peux. Si je te dis et que toi-même tu crois, qu'est-ce qui t'empêche alors? Ceux qui ont payé, je n'ai pas consulté, que ce soit PayPal. Si on n'arrive pas à s'accorder, soit ils vous envoient les produits. Si ça ne marche pas, je vous rembourse. C'est bon, non? Voilà. Donc, je crois que mon message est passé. Les rois et les reines, ils ont suivi. Je suis là pour vous activer. Je suis là pour vous activer. Il y en a ici là que vous n'avez pas besoin que je prononce votre nom. Quand je parle, vous savez. Ça vous active directement. Ceux qui ont mal à la tête, prenez de l'huile d'olive. Ok. Vous savez quoi? Mettez votre main sur l'écran. Sérieusement. Vous allez toucher. Je vais mettre ma main, je vais utiliser ma main comme point de contact. Vos anges vont aussi utiliser votre main. Donc je vais appeler l'ange de guérison. Ok. Je vais appeler l'ange Raphaël. Et l'ange Sandalphon. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint. Je me nettoie du sang de Jésus. Je demande pardon pour mes péchés et je le reçois selon 1 Jean 1, verset 9. Seigneur, je demande ton assistance. Ange Michael, ange Raphaël. Ange Sandalphon. Ange de guérison à distance. Pour toutes les personnes qui se connectent, j'utilise leurs mains comme point de contact. Touchez vos deux mains ensemble.
Ok? Pour ceux qui font ceci, je demande que la puissance soit activée. Je demande que la connexion soit faite entre votre corps et votre esprit. Je commande la guérison de votre chair, de vos muscles, de vos neurones. Je parle à votre moelle épinière. Je commande à vos globules de se régénérer. Je donne 180 jours à tout votre système pour recréer de nouvelles cellules saines. Je parle à vos reins. Il y a une personne qui a un rein qui est défaillant. Les anges sont en train de le remplacer. Tu vas te masser avec, masse le côté qui a, où tu as mal, avec de l'huile d'olive et du sel. Et tu vas mettre ce sel dans de l'eau, juste une pincée, et tu vas boire cette eau pendant 3 jours. Là, pendant que je parle, cette main que tu as touchée comme ça, dépose sur ton rein. Dépose. Ange Raphaël, j'utilise cette main comme point de contact pour guérir ses côtes, son rein, son estomac. Ceux qui ont des remontées acides, vous buvez le gaviscon tout le temps. Tout le temps, vous êtes sur le gaviscon. Je parle aux cellules de votre estomac maintenant. À ces trillions de cellules, je leur commande maintenant d'être restaurées et de fonctionner comme il était prévu depuis la fondation des temps. Hier, je marie, maman. Je demande que ton onction régénératrice, je verse ton eau puissante sur le corps. Ok, vous allez prendre une bouteille d'eau. Vous allez l'ouvrir. Pour ceux qui vont faire leur bain ce soir, vous pouvez faire pareil. Vous parlez sur l'eau. Vous faites 10 fois « Je vous salue Marie ». Ok? Vous demandez aussi l'assistance de l'ange Raphaël. Raphaël et Sandalphon. Et vous ajoutez l'ange Gabriel qui va vous purifier. Sandalphon, Gabriel, Raphaël, Vierge Marie et sang de Jésus-Christ. Vous dites, je me purifie de la tête, de mon chakra, de la couronne, jusqu'à la plante de mes pieds. Que tout acte sexuel que j'ai fait, que ce soit de la bouche, que ce soit de mes organes sexuels, tout dépôt qui a été fait dans mon corps, dans la nuit ou encore dans les relations sexuelles ou par la nourriture, qui est en train d'endommager mon corps, j'en reçois la restauration au nom puissant de Jésus. Vous parlez ça sur l'eau. Cette eau que vous avez dans la boîte, vous buvez un peu. Le reste, vous allez verser dans votre bain pendant 3 jours. Cette même eau, vous allez verser au centre de votre maison. Et vous allez commander à tout homme fort qui vient vous donner la maladie. Tout homme fort qui vous passe des maladies malignes. C'est des petits bobos comme ça, c'est tout petit. C'est tout petit, tu vois, c'est presque rien, mais ça ne te laisse pas dormir. Donc cette eau que vous venez de bénir, vous allez mettre du sel dedans. Vous allez mettre dans un petit seau, vous allez prendre le balai. Le balai. Vous allez parler. Je commande aux larves, parce qu'il y a des esprits qui arrivent. Parfois, c'est les paroles, les maisons où on a beaucoup parlé des mauvais mots. Il y a des petits trucs sur vos murs. Vous prenez le balai. Si ce n'est pas le balai, vous cherchez quelque chose qui peut asperger l'eau, en fait. Si vous avez du papier peint, ne faites pas. Ça peut endommager le papier peint. Donc, le balai, c'est bien parce que c'est tout petit. Donc, vous prenez le balai, vous trempez un peu dans l'eau. Comme quand on veut asperger, quand on veut bénir un endroit. Ange Gabriel. Ange Raphaël, ange Sandalphon,
Voilà les trois anges. Gabriel va aider dans la purification. Raphaël, la guérison. Sandalphon aussi, la guérison. À distance. Donc, vous prenez l'eau. Vous avez mis un peu de sel. Vous pouvez tremper le balai dedans. Vous aspergez sur les murs. Allez surtout dans la chambre de vos enfants. Parce qu'ils regardent des choses la nuit parfois. Ils ont des trucs avec des objets bizarres, des animaux bizarres qu'ils regardent. Et cette énergie-là se propage. Voilà, vous aussi, c'est l'arbre de paix. Mais j'ai peur pour les gouttes. Faites quand même attention à votre mur. S'il y a les ordinateurs, les claviers, évitez. Fermez les ordi. Donc, je disais, vos enfants regardent des trucs. Il y a des jeux vidéo qui jouent la nuit. Donc, il y a des entités dans la chambre de vos enfants. Et ça opprime vos enfants la nuit. Hein. C'est pour ça que parfois, ils veulent dormir dans votre chambre. C'est pour ça que parfois, ils veulent venir dormir chez vous. Parce que dans leur chambre, il y a des trucs qui les oppriment. Bon, si vous n'avez pas le balai, il y en a même une astuce aussi. Vous pouvez prendre... vous trempez, vous faites comme si vous nettoyez les murs. Juste un peu d'eau. Comme ça, on frotte un peu sur les murs. Vous voyez, non, vous frottez un peu. Et il y a aussi quelque chose dont je voulais vous parler. Je vous avais dit la dernière fois de mettre des crucifixes lumineux la nuit dans les chambres de vos enfants. Ok? Vous savez ce que je réponds quand quelqu'un me dit « Est-ce qu'on mélange Jésus avec d'autres pratiques ?» J'aurais souhaité que Dieu dise à Moïse « Ne vous en faites pas. » Oui, flacon pulvérisateur aussi. « Ne vous en faites pas. Quand le dévoreur va passer, je vous connais, non ? Je vous connais. Ne vous inquiétez pas, allez dormir. » Dieu leur a dit « Tuez un veau, l'âme. » Prenez le sang, trempez le truc dedans, allez mettre sur votre porte. Allez vous ne connaissez pas votre Bible. Je ne veux pas commencer à vous insulter votre ce soir, pardon. Vous connaissez votre Bible, vous connaissez. Vous connaissez. Vous avez compris, vous connaissez. On vous a trop lavé le cerveau. Mais je vous insulte quand même trop, hein. Ouais, Jocelyne. Pourquoi Dieu ne leur a pas dit je vous connais? Oh, que le Seigneur vous montre comment il opère. Je prie l'esprit de révélation sur vous. Que le Seigneur vous montre comment il opère. Qu'il vous montre comment il opère. Il y a des objets que vous devez porter. C'est pas pour rien que Jésus est parti au monde de la transfiguration. Son habit est devenu blanc. Le jour de la fête des rameaux. On a pris les palmes là, on a déposé au sol, il a marché sur ça. Moi je te connais maintenant, Balak. J'ai vu la photo. Voyez les rameaux. Je vous demande si on a fait le lavage sur le balai, pourquoi? Le balai vient de palmier. Donc quand tu prends le balai, tu mets au sol pour te laver avec. La connexion. Je vais vous éduquer spirituellement. Vous allez apprendre les choses. Vous allez devenir intouchable. Vous m'entendez? Déjà que tu es une dandine, puis tu n'es plus sûr. Est-ce qu'ils vont? Est-ce que... Non. Intouchable. Parce que tu as tes outils. Tu as tes outils. Il
Il y a les habits que vous portez, même dans le spirituel, ils connaissent que non, la fille, c'est une blague pas avec elle. Le gars, c'est une blague pas avec lui. Et comme vous êtes démunis, vous dépensez 500 euros sur les Louis Vuitton. On te voit dans le spirituel, on te gifle. Chacun d'entre vous doit avoir un bâton de commandement chez lui. Au moins un. Chacun doit avoir son chapeau traditionnel. Écoutez-moi bien. Imaginez vos enfants de Bengla. Maman, voilà mon bâton. Maman, voilà mon chapeau. Maman, voilà mon gangoura là-bas. Pourquoi seulement les jours on dit qu'apportez les habits de votre tradition? Vous achetez le kaba en passant, comme ça vous montez à l'enfant. Pourquoi? Vous partez investir 90 euros sur la Air Max. Air Max Bawa. OGA. EGOA. Et quand vous dépensez ça, vous êtes content, hein? Vous allez crâner devant les gens. Ah, mais j'ai acheté sa chaussure à 300 euros. Ouais, moi, j'ai... Enfant pas à l'école, il commence à devenir têtu. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh maman, tu m'embêtes, maman. C'est le Air Max. Ah, elle a acheté la Nike. Ah, elle a acheté. Ma reine, aide-moi, mon fils. Mon fils, ma reine, mon fils. Le bâton, je le vends à 25 000. Si c'est le bâton que j'ai touché avec ma main, 25 000. Si c'est juste un bâton normal comme ça, c'est 15 000. La canne, c'est 30. J'ai des bénédictions spéciales que je mets dans vos choses avant de vous donner. Vous allez comprendre la source de vos problèmes depuis. Vous allez comprendre la source de vos propres problèmes. Tu es fatigué, Sandra. Tu n'es pas encore fatigué. Tu n'es pas encore bien fatigué. Au rapport. Vos enfants ne sont pas dans leur monde. Vous les avez laissés partir dans leur monde. Parce que vous ne leur avez pas montré le vrai monde. Vos enfants sont dans les baguettes magiques qu'ils regardent en ligne tous les jours. Parce que vous leur avez fait croire qu'on n'a pas de spiritualité, nous les Africains. C'est pour ça qu'ils regardent des trucs en ligne tous les jours. Pourquoi vous croyez que le truc est fait à titre tellement nos enfants? Pourquoi? Ils aiment regarder les baguettes magiques, les fées, les trucs, les Sangoku avec la puissance dans les mains. Ils aiment ça. Vous-même, vous aimez ça quand vous êtes petit. Bon. C'est ça qu'il y a des gens qui veulent savoir regarder ici là pour voir. C'est comme le spectacle pour vous. Vous n'avez rien fait de tout ce qu'il dit. Je vous guette. Le jour où vous allez me contacter, on verra. Bon, je vais voir si encore des instructions pour vous.
Il y a quelqu'une parmi vous. J'ai parlé des maris tout à l'heure. Ton mari est vraiment en colère contre toi. Sa famille le manipule beaucoup. Beaucoup. Tu te bats, mais tu sens que tu te bats pas seulement avec ton mari. Tu te bats contre. C'est toute une armée. Tu sens ça. Tu vas aller au centre de ta maison ce soir. Écoute-moi bien. Si l'homme là dit que viens, on reste, ou il t'a pris là, il est parti, là, qu'il t'épouse. Si sa bouche avait dit que je m'engage à toi, tu as le droit. Prends de l'eau. Tu vas aller au centre de la pièce de votre maison. L'eau est très puissante. Hein? Très. C'est vous qui négligez. Vous dites que vous maîtrisez. Je vous ai expliqué que le sel que vous préparez, vous mangez avec là. On peut faire beaucoup avec le sel. L'eau aussi. L'eau là. On peut faire beaucoup avec. Tu prends l'eau là. Tu vas au centre de la pièce de ta maison. Je suis là pour. Je ne veux pas que vous dépendiez spirituellement de quelqu'un. C'est pour ça que je souhaite d'ouvrir vos yeux. Je vous montre la puissance qui est à l'intérieur de vous, qui doit être utilisée par vous. J'ai eu des gens en consultation aujourd'hui. Ah, tu ne me dis rien. Ah. Et ceux qui savent déjà qu'ils doivent être meufs là. Vous avez refusé l'appel. Maintenant, vous voulez seulement. Oh, je veux seulement l'enfant. Je ne veux pas servir les ancêtres. Je veux seulement l'enfant. Ne me contactez plus. Écoutez. Ne me contactez plus. Vous connaissez ce que vous devez faire. Vous avez refusé. Vous prenez l'eau. Vous vous mettez au centre de votre maison. Parce que quand on vous attaque et que vous vivez avec l'homme là dans une maison, on entre d'abord dans votre maison pour vous attaquer. Merci la reine plus chérie. Tu peux prendre l'eau dans un bol. Tu parles à cette eau. Tu es fait d'eau. Tu viens de l'eau. Quand tu étais le vase de ta main, tu étais dans l'eau. L'eau, c'est toi. Et si vous avez peur des gens, vous avez peur de ce qui se passe dans l'eau, pourquoi? Je parle à cette eau. Je te bénis au nom de Jésus. Je déclare que tu représentes maintenant le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, vous ne me forcez pas à prier pour quelqu'un. Vous m'entendez? Je parle là où on me dit de partir. Je fais ce qu'on me dit de faire. Si il y a des commentaires, vous voulez vous répondre, vous répondez. Parce qu'il y en a parmi vous, c'est seulement pour déranger. Certains parmi vous, l'esprit a déjà dit que faites ça, vous ne faites pas. Maintenant, vous venez seulement pour déranger. Ça là me dérange, ça là me dérange, ça là me dérange. On vous connaît. Donc, il ne m'arrête pas pour n'importe qui. Quand Jésus marchait, ce n'est pas n'importe qui a attiré l'attention de Jésus. Et Jésus ne fonctionnait pas avec la pitié. Ce n'est pas vous qui me supplier. Jamais. Never. Je parle pour y a les gens ici là qui ont demandé ce que je suis en train de dire là. Ils n'ont même pas écrit. Mais l'esprit les localise. Je peux continuer, non? Le volume est bon. Voilà. Ce n'est pas vous qui commandez mes réunions. J'ai dit, vous mettez au centre de votre pièce. Vous parlez à cette eau. L'esprit sort de vous. Le Père est en vous. Vous êtes en Jésus. Jésus est dans le Père. Jésus est en vous. Vous êtes un. C'est lui. C'est lui qui fait le travail. Il y a quelqu'un qui doit bloquer ici là.
Vous voulez vous amuser sur ma page. Voilà. Seigneur, je te remercie. Toujours demander, Seigneur, je demande pardon pour mes péchés. Je me nettoie du sang de Jésus. Selon 1 Jean 1, verset 9, je reçois ce pardon. Tu es nettoyé instantanément. Je parle à cette eau. Je déclare que tu représentes le sang de Jésus-Christ. Si effectivement, Jésus est venu, il est mort sur la croix, il est descendu aux enfers, il est monté aux cieux. Et qu'il soit monté pour moi, que j'allais accepter, j'ai accepté ce qu'il a fait sur la croix. Aussi longtemps que Jésus-Christ vit, toute personne qui boit de l'eau ne pourra pas nuire à mon foyer. Jésus m'a donné autorité selon Matthieu chapitre 28. Notez les passages. Au ciel, sur la terre et sous la terre. Vous ne connaissez pas votre Bible. Tout pouvoir m'a été donné. La parole est faite pour être vécue. Tu dois vivre la parole. Tu es la parole. Tu dois croire la parole. Matthieu 28. Jésus s'étant approché, verset 18, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Aussi longtemps que tu vis Jésus-Christ, aucune personne qui boit de l'eau ne pourra opprimer mon mariage ou détourner mon mari de moi. Par cette libation, je commande à tout esprit malin qui a été envoyé pour détruire, que ce soit ma vie, la vie de mon mari, mon foyer. Je vous commande de sortir de cette maison et de ne plus jamais revenir. Je déclare, selon Deutéronome 28, verset 7, vous devez connaître votre Bible. Écoutez, on va vous déranger. Je vous dis, Deutéronome 28, verset 7, j'ai la victoire sur vous, mes ennemis. Je déclare que vous êtes venus vers moi par un chemin. Et vous vous enfuyez maintenant par sept chemins au nom de Jésus-Christ. Pendant que je verse ce liquide, par cette libation, en faisant ça, vous versez. Vous voyez, vous versez au sol. Je déclare la paix, la restauration de mon foyer. Genèse chapitre 1. Notez les versets. Vous allez rentrer en combat. Vous allez taper 3 jours de jeûne de combat. Ils vont sortir de votre maison. Quand il y a un problème, il appelle. Maman, maman, tu es mariée à ta mère? Tu es mariée à ta soeur? Le genre de belle soeur là que tu ne peux pas parler. Vous parlez de quoi? Genèse, chapitre 2. Seigneur, tu as dit dans ta parole que je suis l'os des os de mon mari. Je parle comme ça en tant qu'un avec lui. Genèse 2, versets 23 et 24. Je déclare qu'il quitte son père, sa mère, ses sœurs et il devient une chair avec moi aujourd'hui. Tu as dit dans ta parole que personne ne se mette entre nous. Je déclare que son esprit revient en lui. Je déclare qu'il m'aime. Tu prononces le nom de ton mari. Si c'est Jérôme, Jérôme, je déclare que tu m'aimes comme avant. Mais assurez-vous que vous n'êtes pas parti quelque part, vous-même faites les mauvaises choses d'abord. Écoutez, si effectivement vous savez que vous êtes innocente, parce qu'il vous connaît, vous les sorciers là, les carabas masqués là, si tu sais que tu es parti faire quelque chose, demande pardon.
Seigneur, c'était ma copine qui m'avait amené, il ne connaissait pas. Je demande pardon. Je demande la restauration. Vous riez. Le monde spirituel est. C'est comme le tribunal. Voilà le livre de la loi. Voilà ça. Tu prononces le verdict. Je m'en fous de ceux qui ont problème avec la Bible. Je m'en fous de vous. Vous avez compris? Je m'en fous de vous. Et vous déclarez. Je scelle cette prière et cette déclaration par le sang de Jésus. Je déclare que vous ne reviendrez pas ici avec sept démons pour occuper encore ma maison. Et vous finissez par « Amen, ainsi soit-il. » Peu importe le tribunal, sous l'eau, sous la terre, sur la terre, au ciel, vous savez que vous avez scellé la chose. Écoutez, hein, on ne va plus vous tenter. Les affaires des petites filles, elles partent chez les petits marabouts, elles ne connaissent pas votre puissance, madame. Madame, c'est le nombre d'années que tu as passé avec l'homme là. Elle connaît le roi que tu as roi avec lui. Jusqu'à quand elle va se lever un peu, on sent comme une pampe pampée. Dans l'affaire là, hein, ce n'est pas les fesses qui parlent. Parce qu'elle a les belles fesses, ce n'est pas ça. C'est pouvoir contre pouvoir. Puissance contre puissance. Et vous êtes avec le roi des rois, la reine des reines. Comment vous avez fait ça? Écoutez, laissez-le tranquille. Ça va d'abord agir sur vous-même. Votre cœur sera apaisé. Il rentre, il se couche, je ne lui demande pas, ne le dérange pas, laisse-le. Il y a des hommes qui sont tourmentés. Parce que vous savez que les hommes sont gentils. Les hommes sont gentils. Parfois, ah, tu sais, moi, ah, c'est ma. Je veux seulement l'aider, non. Ouais, tu sais, viens d'arriver aussi, non. Tu as senti la fille là depuis longtemps. Tu l'as regardé comme ça là. Un jour, elle amène quelque part, elle met tout dans son verre, tu ne connais même pas. Parfois, ce n'est même pas la faute de vos maris là. On les a envoûtés. Il est manipulé. Et ils ont trouvé l'espace parce que toi, tu as laissé l'espace, ma chérie. Listen, écoutez. Tu as laissé l'espace. Chandarabako se karababo shika. Eko tarababo shika rabaso. Antarabako sa karaba. Elle va aller chez son marabout. Hein. Le marabout a dit que ce n'est pas celle-ci. Laisse la femme. Pardon. Le marabout. Non, non, l'autre, c'est là. Non, 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 non. Cherche un autre homme. Cherche un autre homme. Pas celui-ci. Tu tentes même seulement. Même, il arrive dans la chambre avec toi. Son tour ne va pas se lever. Son tour ne va même pas se lever. Ne tente même pas l'homme-ci. La Bible dit que we do not wrestle against flesh and blood, against principalities and powers in high places. Il y en a ici que dans 6 mois vous allez vous marier. Je prophétise. Ça va se passer comme le rêve de la nuit. Tu le rencontres, pam, 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 mal. 2 mois plus tard, on a te doté. Hey, mariage, boum, hey, tu as, 6 mois plus tard, tu es en bain. Ok. Tu fais ok, ok, ok. Tu fais seulement ok. 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 Tu vois que la formation que tu avais donnée ici, là, ça commence à parler. Tu arrives, tu comprends que c'était la grâce qui a fait que Dieu, que ton mari se libère pour venir te chercher. Tu vois comment il est encerclé de démons. Sa famille suit son argent. On le ruine. Il a 45 ans, il n'a même pas construit maison à lui-même. Ma chérie,
Commence les prières. S'il le faut, lave-le. Tu me comprends? Lave-le. Quand il se lève le matin, dès qu'il entre à la douche, tu entres à la douche aussi. Que chérie, 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 je vais te laver un peu, non? Comme si tu blaguais. Je coupe, en le lavant, tu parles sur ça. Que tous les cadenas qu'on a mis sur toi, là, je coupe ça. Je cadabaka ça. Bonsoir, la reine Olga. Il va se lever un matin comme ça. Et quand tu fais ça, ne parle pas beaucoup. Niche, niche. Ta copine a levé ton gars. Tu étais simple, ton nom. Tu étais simple, simple, non. Bienvenue sur ma page. Vous n'allez plus devenir simple. Vous allez changer. Vous allez arrêter d'être simple. Ça ne va pas faire. Ça va faire. Tu parles sur l'homme là comme ça, parce que tu as le goût. Et vous savez, spirituellement, les hommes sont faibles. Je ne me moque pas des hommes. Hein. Parce qu'il y a aussi des choses que les femmes ne savent pas faire, que les hommes savent faire bien même. Spirituellement, les hommes sont faibles. L'homme va écouter comme s'il ne va pas savoir faire, mamie. Ne lui en veux pas. Oh, you are. Ne lui en veux pas. Tu as dit, lave-toi, il ne va pas se laver. Il ne va pas se laver. Il ne va pas se laver. Aide-le. Ne le laisse pas comme ça. Intercède pour lui. Il y a les hommes qui... La famille l'a attaché. On l'a laissé pour mort. Donc on l'a laissé comme ça là que... Tu vas jamais te marier. Donc, il te rencontre, on a même mis se marier, on est supplié que, hey! Il se réveille encore, il va au village. Attachez encore. Trop tard. Une guerrière est tombée sur vous. Elle va vous chakatakatakata, elle va vous découper. La parole, c'est une épée. Écoutez, ma part de courage que Dieu m'a donné, cela. Hey! Shandarabokosa. Maman. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Ça veut dire que ça fait... Vous voyez, non? Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments. Et les pensées du cœur. Arrêtez de dire que je vous aide. Si tu es dans ce direct, tu m'as écouté depuis 20 minutes. Ton esprit n'a pas appris quelque chose. Délike ma page, tu pars. Vous aimez tous les mendiants spirituels. Je suis en train de vous donner la force. Vous voyez tout comme les mendiants. Aide-moi. 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 Voilà encore un témoignage. J'ai consulté un couple ici l'autre jour qui n'arrivait pas à concevoir. Voilà le témoignage de la dame. Elle me dit, elle a fait un rêve où on lui demandait de prendre
un bâton de commandement et de poser sur son ventre. De prendre le bâton, parce qu'elle est venue ce jour-là. Elle avait un. Je sentais sa puissance. C'est vrai que son mari ne comprenait pas trop. Mais. J'ai dit à son mari que. J'ai prié pour la femme. J'ai dit que. Je me pose les mains sur toi. Tu vas rentrer, tu vas toucher ton mari. Là, elle m'a dit qu'elle a fait un rêve. Et les esprits m'ont, les ancêtres m'ont dit de lui donner un bâton. Donc, je lui ai donné un bâton. Elle dit qu'elle a fait un rêve. On lui a demandé de prendre le bâton et de poser sur son ventre. Et elle a aussi trempé dans son bain spirituel, le lavage qu'elle faisait le soir. Chose qu'elle a faite. Ça, ça arrive là pendant que je suis en train de vous parler. Je vous ai parlé de l'autre que elle a rêvé comment quelqu'un est venu pour attaquer son enfant. Elle a pris le bâton qu'elle venait de recevoir là, elle est au Canada. Elle a fouetté le monde dans le rêve comme ça. Le fessé, sa tête est tombée. Certains d'entre vous, hein, on a attaché vos trompes. C'est dans un lieu sacré, un lieu maléfique quelque part. Ça là, ça sort une fois du ciel là-bas. Ça brise tout ça, ça détruit. Ma chérie, je scelle ce témoignage par le sang de Jésus-Christ, Yeshua, lui qui vit et règne, lui qui est le roi des rois. Je déclare que ton ventre est ouvert pour que tu enfantes au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jésus dit que je suis venu terrasser le travail du diable. Actes chapitre 10, verset 38. Jésus dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jocelyne, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec elle. Écoutez, ce n'est pas mon père biologique qui m'a envoyé. C'est Dieu qui m'a envoyé. Vous devez devenir la parole. Vous devez devenir. Et la parole s'est fait chair et a habité parmi nous. And we beheld his glory. On a regardé sa gloire. Moïse disait toujours que Seigneur, montre-moi ta gloire. Show me your glory, Lord. Il ne savait pas que Dieu voulait prendre ses mains dans toi. Il voulait prendre les mains dans toi. Et Jésus vient dire, vous êtes des dieux. Vous ne connaissez pas. Vous ne voyez pas. Et vous allez mourir comme des enfants. You're going to die as mere men. You're going to die as beggars. Stop it. Seigneur, je viens couronner tes enfants. Je vous couronne. Ok? J'ouvre vos dons spirituels. Je déclare qu'aucun démon ne peut plus vous tenter. Même dans vos rêves. Vous allez les gifler, couper leur tête comme ça là. Attendez. J'active votre puissance. Je touche, touchez vos langues. Touchez vos langues. Touchez vos langues. Je dépose en vous le courage, le même courage que vous n'avez pas là avec là. Je mets ça en vous ce soir. Vous ne serez plus jamais opprimé par qui que ce soit. Toutes les personnes qui dominaient sur vous,
Que ce soit au boulot, dans votre famille, peu importe l'endroit, même les clients que vous dérangez là. I put boldness in you. Je mets le courage en vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je scelle cette prière par le sang de l'agneau. Vous allez dormir comme les bébés. Vous allez sauter les barrières, gifler les gens, cabosser, les poursuivre, les fouetter. Ils vont se prononcer seuls, les Decepticons. Commencez à commenter vos statuts bizarrement seulement pour voir te faire de mal. Ils vont s'exposer seuls. Seuls. Vous m'entendez? Personne ne peut rien vous faire. Voilà. J'ai fini. Vous passez une bonne soirée. Même les Decepticons là. Vous me détestez, mais vous me suivez toujours. Ouais, Seigneur. Ce n'est pas la folie, ça. Hein? Never leave me while you There is nothing, 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 nothing. There is nothing you cannot do. There is nothing you cannot do. Jesus, there is nothing you cannot do. La formation spirituelle, on la commence demain soir. Et a commencé à couronner ceux qui ont fini la promotion précédente. Ok, si quelqu'un a reçu une bénédiction ce soir, faites le saraka, faites les offrandes. Et c'est que vous regardez tout comme ça là. Ceux qui ont les détails me font souvent les offrandes. Mais faites le saraka. Allez donner à quelqu'un, donner. Ça va sceller ce que vous venez de recevoir. C'est ça le monde spirituel. Vous devez connaître les lois. Quand t'as délivré, Jésus disait toujours, quand il délivre, quand il dit, va te montrer au prêtre, tu lui apportes une offrande. Va à tel endroit, donc, va faire le sadaka. Va donner. C'est la formation où, qui se paye à 500 000 francs CFA. C'est celle-là. Donc, ceux qui sont déjà inscrits, on va commencer demain. Il y a l'autre formation de mission de vie. On prend encore des personnes. J'ai encore des personnes qui sont enregistrées aujourd'hui. Les gens sérieux, si vous n'êtes pas sérieux, ne me contactez même pas. Vous ne voyez pas que c'est parce que vous devez donner votre argent. C'est que vous chassez de ma formation. Je vous chasse. Je vous enlève. Qui
Bon, vous dormez bien. Que le Seigneur vous bénisse.